Bonjour les enfants, vous allez bien? Toujours prêts pour le travail? Mettez-vous devant l'écran et faites attention. Aujourd'hui, nous allons entamer une révision des sons qu'on a vus pendant cette période. Cette révision va être divisée en deux parties. Donc aujourd'hui, nous allons voir juste la première partie. Comme vous voyez, je vous ai préparé un tableau de lecture où vous allez trouver des syllabes. Vous allez essayer de lire tout seul. Je crois que vous n'avez pas besoin de moi maintenant. Vous pouvez lire tout seul. Allez, commencez tout de suite. Je suis fière de vous. Et moi, je vais lire avec ceux qui ont encore quelques difficultés. On est d'accord? Allez, votre attention s'il vous plaît. On commence. Vous lisez après moi. Je. Ja. J. J. Chou. Chant. Je. Chu. Zou. Zé. Go. Gu. Gli. Gras. Qui, cla, cri, quand, pain, mais, fin, blé, blin, thé, gré, froid, soin, croix, loi, moins, nion, teuil, pille, front, l'œil, rail, ni, ya, you. C'est bien? Bravo! Relisez encore une fois, s'il vous plaît. Vous pouvez même relire plusieurs fois. Je vous le dis toujours. D'accord. À présent, passons aux exercices. Lisez bien les consignes doucement. Colorie les mots en bleu quand tu entends le son G. Alors, tu as des étiquettes devant toi. Tu vas prendre le crayon bleu. Tu lis doucement et correctement les mots. Quand tu entends le son G, tu colories en bleu. Colorie les mots en vert. Quand tu entends le son J. Alors, lisez encore. Si vous trouvez le son J dans un mot, vous le coloriez en vert. Colorie les mots en jaune quand tu entends le son NIE. Dans combien de crayons de couleur vous allez utiliser? 3 bien sûr. La couleur bleue, la couleur verte et la couleur jaune. C'est fait? Bien. Dans l'exercice numéro 2, vous allez trouver encore des syllabes. Vous allez les lire. Alors, tout le monde peut lire. Même ceux qui ont des difficultés, ils peuvent lire tout seuls.
Essayez, s'il vous plaît. Bravo. Exercice numéro 3. Les lettres de chaque mot outil se sont mélangées. Réécris-les correctement. Alors, ce sont des mots outils, autrement dit, des mots invariables qui ne changent jamais. Alors, essayez de mettre les lettres en ordre pour trouver ces mots. Numéro 4. Lis les mots. Très bien, tu vas lire tout seul. Essaye. Toujours, je vous dis, essayez de lire. Vous avez tout votre temps. On n'est pas pressé. Je vous attends. C'est bien. Alors, pour l'exercice numéro 6, à partir de l'illustration, invente et écris deux phrases. Donc, regarde l'image et essaye de m'écrire deux phrases. Deux phrases simples. Et vous m'envoyez les phrases pour les corriger. Au revoir. À la prochaine!